est bien là, on est bien, on commence déjà, non pas la manette, hop, on est sur le PC là, on n'est pas sur les... Bishop, on va tester ça, Bishop, ok, sauvegarde rapide, est-ce que ça avait planté la dernière fois, je m'appelle même plus, et ben, hey, bijou les amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve sur Fear, ou je ne sais plus où on était resté, hop, let's go. Là, je fais même plus mes intros, j'en ai plus rien à foutre. Alors attendez, dans ça par contre, si, on était resté là. Oui, c'est vrai, il y avait la qui était en haut, elle m'avait foutu les jetons et la meuf elle avait pas vu parce qu'elle est aveugle et puis voilà, et merde, elle avait serré nana. Et on est déjà dans le jeu. Comment on joue? Voilà, j'ai joué à tellement de jeux entre temps que j'ai oublié les touches. Allo? Faites exprès, hein. Vous faites exprès? C'est pas possible, t'es où Alma? J'ai un calibre 12 dans les gencives, va te mettre. Salut mec. Il m'a dit. Je viens de le démembrer. J'ai coupé en deux. J'ai coupé en deux que c'est bon. Alors c'est très fort pour moi. Je suis désolé, c'est très très fort pour moi. Et je suis mort. Je m'en fous, je l'ai découpé en deux, c'était beau. Alors j'ai rien paramétré, je suis désolé. Oh putain, j'en ai marre que Streamlabs il va tout à droite de l'écran, ça me nique la tête quoi. Ah le coup surtout. Ah ouais, c'est ça, je t'ai vu là. Et là, y'a quoi? Hein? Putain! Mais non! C'est des conneries, tu m'as pas vu! Allez, en veilleuse! On vous a dit de mettre en veilleuse! Oh là là! Oh, y'a rien de mieux qu'un fusil à pompe! Même à longue portée, y'a rien de mieux qu'un fusil à pompe! C'est encore plusieurs douilles d'un coup dans une seule cartouche, c'est trop bien. En gros, si vous savez pas comment ça fonctionne, une cartouche de fusil à pompe, en gros, c'est une déflagration du niveau de la cartouche et ça lance plein de petites billes. Et ça explose, bah, c'est pour ça que ça explose une gaboche, hein, normalement, ça démembre des gens. En fait, c'est plein de petites billes qui sont jetées en métal. Mais c'est... Voilà quoi, j'adore. Je sais pas pourquoi on dit calibre 12, peut-être parce qu'il y a 12 billes dedans, je pense. Peut-être. Je sais pas. À moins que ce soit juste le diamètre du calibre. Mike, ici Alan Wade. Chuck Abegger a l'air de croire que des membres de ton équipe lui racontent des bobards sur ce qui se passe à Perseus. Alan Wade? Je ne sais pas quelle andouille qui tire les ficelles chez toi, mais tu as intérêt à arrêter les conneries et fissa. Les chiffres empirent de minute en minute. Le choix est simple. Soit tu écoutes les conseils que te donnent les experts, soit tu te prépares pour le pire bordel du siècle. Parce que c'est exactement ce qui va arriver. Et tu peux me croire. Fin des messages. Arlene Wade, ça me dit quelque chose, ça. Arlene Wade, j'ai des souvenirs. Ce serait pas lui? Alors attendez, combien j'ai de balles là-dessus? On peut pas filouter? Y'a pas une autre arme? Attendez. J'ai de filouter là. Non. Voilà, hop, on prend cette arme. Hop, on prend cette arme. Et regardez les balles en bas à droite. Tiche! Voilà. La technique pour avoir plus de munitions. Bon là je suis à fond. Bon attendez, j'ai quand même raté un passage là-haut. Oh, on s'en fout. Sur mon point une seringue. Oh, c'est de la drogue, c'est de la drogue. Non c'est bon. Faut rater. Ah ouais tout de suite hein. Bon j'ai chier. Ok, au revoir, j'ai une drogue à aller chercher. Je vais aller voir quand même. Ça, là, moi je suis perturbé quand il y a des choses, des zones comme ça que j'oublie d'aller voir, ça me saoule. On va savoir si c'était juste pour grimper là-haut, pour les prendre à revers. On va quand même regarder, on va checker parce que... Moi ça me rend fou hein, de pas regarder les zones où on peut regarder. Let's go. Ah petit Alma. Bon là c'était le gars pour descendre ici. Là il y a un truc ici. Je me gourde de touche en fait. Ça va pas le faire. Attendez, c'était RL, c'était bien pour... J'ai plus dans... Y'a rien, hein. C'est juste des zones pour aller... En fait, c'était juste pour contourner, en fait. C'est tout. Bon, ok. Bon, c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. Bon, au moins, on aurait vérifié. Et je me sentirais moins...
gêné de l'avoir oublié. Je sais plus comment on fait le... C'était comment? Attendez, c'était comment? Ah oui, c'était shift. Oh putain, hey, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué au jeu. Oh là, et le pieu dans la gueule quand même, ça doit pas faire du bien. Ça, j'ai du mal à me refaire aux touches. Eh, vraiment, j'ai trop de mal. Faut dire, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Ça doit faire 2-3 semaines. Ah, soit il y a des ennemis là, dans le couloir, ou soit il y a des meubles invisibles. Bon, donc on va chercher le Spice. Le Spice 12. Marshall Disler. Bonjour, ici Marshall Disler. D'accord. Il semble que vous ayez eu raison à propos de la signature énergétique. Elle correspond bien à l'original. Je suis toujours à la recherche de l'explication valable, mais je me suis dit que vous voudriez au moins avoir cette confirmation. Je vous rappelle dès que j'en sais plus. Vous avez vu les effets de lumière? Eh, je trouve ça juste magnifique. Hein. 2005, hein. Un an après Half-Life. Hein. Et tout. Et, c'est bon. Et aujourd'hui, la différence graphique, elle est, on la voit plus. Tellement. On n'avance plus maintenant. Mais à cette époque-là, c'était clairement l'âge d'or des jeux vidéo. Hein. Dans les années 2000, 90-2010, vraiment, entre vraiment 90 à 2010, la technologie des jeux vidéo, c'était un délire. Tu changeais de carte graphique tout le temps quand t'étais sur le PC. Oula, attendez, j'ai cru que c'était appendu, ça en fait. Non, c'est le truc de la chaise. Donc, tu vas me ramasser ça. Et moi, je suis né dans cette période-là. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Là-dessus, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. De toute façon, moi, je vous le dis, honnêtement, je regrette. Honnêtement, ceux qui sont nés après 2005 ou 2010, vous avez vraiment raté un truc de fou. Pas que pour les jeux vidéo, hein. Même dans la vie en général. Hein. Moi, j'ai vraiment grandi, j'ai pas à me plaindre. Meilleurs films, les meilleurs jeux vidéo, les meilleurs, la meilleure vie, quoi. C'est à ce moment-là, dans les années 2000, c'était trop bien. Hein. C'était vraiment le feu de Dieu, quoi. Moi, je vous promets, hein. Là, je peux dire c'était mieux avant. Moi, je vous le dis, c'était beaucoup mieux avant. Dans la vie en général, tout était meilleur, quoi. Tout était meilleur. Aujourd'hui, les gens sont sur TikTok. TikTok. Moi, je me mettrai jamais dessus, hein. Je vous le dis tout de suite. Je vais regarder une vidéo de 10 secondes, ça m'amuse pas, moi. Moi, si je clique sur une vidéo, c'est pas pour la regarder pendant 10 secondes. Ça m'amuse pas. Bon, après, pas non plus une heure non plus. C'est beaucoup trop. C'est ce que j'avais fait au début quand je commençais les vidéos. En même temps. Ouais, j'arrive là, fais pas chier. Merde, on en a parlé là. Donc voilà. Au début, je faisais ça des vidéos d'une heure. Et j'ai arrêté d'arrêter parce que je trouvais que c'était vachement long, tout ça. Puis après, j'ai commencé à faire des vidéos de 40 minutes, 30-40 minutes. On me disait, ah, c'est encore long et tout. Bon, je le fais encore. Mais donc, je reste sur 20 minutes. Bon. Là, ça a l'air de vous plaire. Mais je comprends. Mais les 10 secondes, moi, ça m'amuse pas. Les vidéos de 10 secondes, là, et qui font des millions de vues. Moi aussi, je pourrais le faire tous les jours. Hein. J'ai juste prendre un passage dans un jeu dans un de mes jeux. Et je fais plein de montages en 10 secondes. Hein, je suis sûr que ça ferait des vues. Mais je m'en bats les couilles, moi, je fais pas ça pour des vues. Moi. Je fais ça parce que j'aime le jeu. Je veux profiter et vous faire profiter autant que possible à ce que j'aime. Et c'est tout. C'est pour ça que je fais des vidéos. Et sinon, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Hein. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos de ce point de vue-là, mais. Je préfère le répéter, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les gens, soit ils cherchent... Rien qu'un youtubeur qui vous demande à vous abonner ou à vous mettre des j'aime sur sa vidéo, déjà un mauvais youtubeur. Pourquoi? Parce qu'il fait juste ça pour gagner de la thune, en gros. Et il profite de vous. Moi, jamais je vous inciterai à faire quoi que ce soit. Dans aucune de mes vidéos, je vous ai incité à vous abonner ou à mettre des j'aime. Ça me fait grave plaisir, mais jamais je le ferai. Bon, vas-y, ça m'énerve. Ça m'énerve, quoi. Ou sinon, je passerai pour un ingrat. Et moi, je suis pas comme ça. Bon, là, on est déjà passé par là. Donc voilà, c'était un peu mon point de vue, là, sur les... Moi, honnêtement, vous êtes libre, en fait. Pour vous abonner ou quoi que ce soit, vous êtes libre. Jamais je vous inciterai à faire ça. D'ailleurs, j'avais remarqué, si vous l'avez pas remarqué, quand vous regardez une vidéo YouTube ou un même YouTuber, eh ben, le YouTube va automatiquement vous abonner sur la chaîne en question. Et je sais pas si vous vous êtes abonné, mais sans vous en rendre compte, vu que vous regardez mes vidéos. Donc si vous voulez pas être abonné à ma chaîne, vous pouvez vous désabonner, moi ça me dérange pas.
Parce que moi, je fais ce que j'aime. Et je ne vous demanderai jamais de vous abonner. Ou vous... Mais moi, j'ai mon travail à côté, donc je m'en fous un petit peu, en fait. J'ai pas de compte-rendu, et de toute façon, je préférerais toujours travailler dans ma vie, quoi. J'ai besoin de, j'ai un besoin de travailler. Bon, c'est bien beau, tu me fais des bruits bizarres, mais faut que j'aille où, là? Là, je tourne en rond. Il y a une télécommande d'activer les ascenseurs, c'est ça? Faut que je m'approche d'une porte à la Tomb Raider pour que ça active un ascenseur? Non? Non? Non, mais on sait jamais. Hein. Ah, je vais pas tourner en rond pendant 3 heures pour trouver une porte. Bah, bien sûr que si. Hein. Bien sûr que si. C'est ici alors. Non, bah non, c'est la salle de pause, ça. Putain, mais je suis en tournant en rond, ça commence à me saouler. Faut que j'aille où? Faut que je fasse quoi? C'est inadmissible, tout ça. Restons calmes. Non, il y a un trigger qui s'est pas déclenché. Il y a un problème. Il y a un problème, il s'est passé quelque chose. Il y a un conduit quelque part ou que j'ai pas vu derrière le tableau. Ça, tu peux. Je tente, hein. Je tente, là, je suis perturbé, je sais pas où aller. Bah merde alors. Bah merde. Je fais une petite sauvegarde parce que là, je suis un peu perturbé. C'est pas possible. Enfin. Je t'avais oublié, toi. Est-ce que vous pouvez désamorcer ces bombes? Ok, encore un civil. Mère Grant, nous avons trouvé un otage. Il a l'air ligoté à des explosifs. Bien reçu. Je vous envoie quelqu'un. Passez-le-moi. Tiens. Hé, hey, vous appartenez aux forces spéciales, c'est ça? C'est ça. Restez tranquille, monsieur... Bishop. Aldous Bishop. L'équipe de déminage est en route. Ok, il y a des ascenseurs près de votre position. Sécurisez la zone et escortez l'équipe jusqu'à Bishop. Oh, il lui en fait le portrait, le pauvre. Retrouver l'expert en démolition à l'ascenseur. Ah bah voilà, alors on va là-bas. Putain. Et là, ça va faire spawn des ennemis. Parce que... Trigger. Eh, je vous promets, je suis revenu assez loin en arrière pour pouvoir trouver ce passage. J'avais oublié qu'il était dans la réserve. C'est vrai qu'il m'avait dit ça tout à l'heure. Mais je suis en train d'expliquer aussi en même temps mon point de vue sur les vidéos en ce moment. Ils essaient peut-être de vous acculer. Bah... Peut-être m'acculer. On n'accule pas celui qui accule. Allez, oust, dégage. Il y en a d'autres qui veulent. Toi là. Viens là, viens là, viens là, viens là. Coucou. Coucou. Salut les gars. Un autre. Coucou. Et j'ai vu l'ascenseur, l'autre ascenseur s'ouvrir. Ça va? Un bande de petits bâtards. Vous êtes plus rapide que moi. En fait, non. C'est vrai que... Oh! Tu le passes à travers les portes! Mais c'est absurde. J'existe pas! Ça a planté! Ça a planté! C'est beau. J'adore quand ça plante. Nick! What? Non. Attends. Point de passage. Attends. Ouais, ok. Non, j'allais pas tout recommencer, c'est mort. C'est mort. Allez, vas-y. Exerbug pas, c'est bon. C'est parce que j'ai... s'amuse avec le système de sécurité. C'est parce que j'ai passé 3 heures à... Bah, qui m'accule. Ils osent, d'ailleurs. Yes. Bonjour. Allez, c'est reparti. Un petit bâtard. Ah. Hop. Allez toi, sors. Bonjour. Non mais c'est le côté. Ah ça aussi ça m'arrive dans l'ascenseur de pas savoir quelle porte va s'ouvrir. Ça aussi ça m'est déjà arrivé souvent, tu vois. Est-ce que ça va être derrière? Sauf que là t'avais qu'une seule porte, connard. Grenade. 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 Merde, comment on change de grenade? Je sais plus. Dans ta gueule! Tu kiffes le pénétrateur? Ah! Merde! Il n'y a pas une arme que je n'ai pas, comme ça je peux remettre des munitions. Hop! Ne tirez pas! Oh, vous êtes con, vous! Ça
plaisir de se voir. Ouais, moi aussi. Ça me fait plaisir aussi d'être plus seul, surtout ce soir. Malheureusement, non. Bon, eh ben, je crois qu'on va devoir improviser. Eh ben, improvise. Incroyable que t'aies survécu aussi longtemps. Yes. Vas-y, fais tout péter. N'approchez pas. Fais tout péter. Et voilà. C'est cas dans ta gueule, motherfucker. On est duré l'affaire. Ah, pourquoi vous me suivez? Il est là-bas. Allez, go, on va aller chercher. C'est vrai qu'on devait désamorcer une bombe. Bon, moi, ça me dérange, je pense. Moi, ça m'aurait pas dérangé hein, qu'il explose. Hein. Vous savez, moi, la chair dans tous les murs, j'adore. Ah, je sens qu'on va devoir le défendre. Qu'est-ce que tu branles? Reste dans ton coin. C'est cool, des mineurs? Affirmatif. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Je veux juste que vous me débarrassiez de cette merde. Regardez, c'est super bien. Ça est un véritable problème. Ah, le coup. Est-ce que c'est censé me rassurer? Bon, c'est un faux. Mais je suis un maître. Une alarme anti-incendie. Non. Elle a été déclenchée dans un bureau de sécurité à cet étage. Il faut que vous arriviez à la désactiver pour remettre les ascenseurs en service. Emergency. Ok, trouvez la cause de l'alarme incendie. Monsieur Bishop, est-ce que vous savez pourquoi vous avez été pris en otage? Il posait des questions sur Harlan Wayne. Avec sa fiole, nous faisons partie de la même équipe. Quel genre d'équipe? Nous menons une étude sur les 25 dernières années du district de Gotham. Mais on nous a pas dit à quoi servait ce travail. Où est sa fille maintenant? Son bureau se trouve dans le bâtiment de la direction, au 6e étage. Hein? Bureau de direction, 6e étage, j'ai cru entendre. Moi j'avais baissé mon son pour pas que ça se fasse capter par le... Enfin je baisse le haut-parleur, c'est surtout parce que... Déjà d'une, ça me gueule aux oreilles. Et d'une, pour pas que le micro capte le son des haut-parleurs. Et que vous ayez un retour aussi de au niveau de mon micro. Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas de casque. J'ai pas d'écouteur, donc tout est paramétré. Assez bien pour que mon micro ne capte que ma voix. Mais le problème c'est que des fois, bah ça fait pas. Et des fois vous avez des retours au niveau du micro. Donc vous avez un double rendu d'une... pour Streamlabs et d'une au niveau de mon micro. Et si mon micro passe au-dessus, bah après bah ça passe au-dessus de Streamlabs et vous entendez à partir de mon micro et non au niveau du desktop. Voilà. C'est du paramétrage. On s'amuse. Vous avez un nouveau message. Ah, je suis moins célèbre. Message oui. De Alice Wayne. Salut Alice. C'est qui? C'est la fille. J'ai mis quelques photocopies dans ta boîte aux lettres. C'est une série d'articles que j'ai trouvé sur Auburn au cours des 25 dernières années. Merde. On y retrouve les mêmes symptômes physiques dont la vieille femme nous a parlé. Il semble qu'un grand nombre de personnes aient indiqué s'être senties mal à l'aise ou nauséeuses après avoir passé un certain temps près d'Auburn. Mais si c'était une contamination de nature chimique ou radioactive... C'est psychique. Pourquoi la ville n'a-t-elle rien trouvé dans le sol ou dans les nappes phréatiques? Il y a quelque chose qui cloche. Enfin bon, je te rappelle plus tard. Fin des messages. Mais Wade, ça me dit quelque chose, Wade. C'est pas celui qui a pris Alma? Qui a pris Alma à sa mère ou un truc dans le genre? Je sais plus. Ou le fils d'Alma? Je crois qu'il y a un délire comme ça. Ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Ah, Rania Girl, elle est là. Ah, tu reconnais, il y a du sang. Tu sais quand elle est là ou quand elle est pas là. Après, il n'y a pas la tâche qui part en couille, donc ça devrait aller. Je sais pas si c'est fermé la porte. Non. Je sais qui vous êtes. Ouais, bah moi aussi. Je sais qui tu es. Elle bouge pas. Attends, j'ai un message, tu bouges pas. Vous avez. Je suis à toi tout de suite. Nouveau message. Premier message de Marshall Bisler. Ici Marshall. À l'aide. Ici à la base Perseus. Elle me sait. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Envoie toutes les équipes de sécurité disponibles pour verrouiller complètement l'endroit. Je te rappellerai dès que tu auras une meilleure idée de ce qui se passe. Fin des messages. Ça va, Alma? Tu sais, j'ai pas envie d'ouvrir la porte, je suis bien près de l'autre côté, hein. Comment elle te regarde? Moi, je vais te niquer, t'es mort. Génial, les ascenseurs fonctionnent. Et maintenant, les portes de sécurité sont verrouillées. Vous devez trouver un autre moyen d'atteindre le toit. Holiday, est-ce que vous pouvez escorter Monsieur Bishop? Oui, on va bien s'en occuper. Elle m'a jugé. Elle m'a jugé, la con. Elle était là. Je sais qui tu es. Non. Lampe torche. Tu fais pas la con, Alma.
Pas dans l'ascenseur. Better, j'en ai fini par ici. Alors, une idée? Il va falloir que je passe au labo. Ok, retournez sur le toit et ne bougez pas. Je vous envoie un taxi pour vous sortir de là. Mais ça va prendre un moment. Compris. Ok, d'accord. Je crois avoir compris. Hop, hop. Ouais, c'est là-haut. Hop. Half-Life? Parcours d'Half-Life, ça. Bah. Ah, tu fais pas la con, elle m'a... Oh putain, le truc m'a fait flipper, quoi. Et là, elle tombe. Elle tombe sur la gueule. Tu sais, ça fait quoi? Penser à quoi, les conduits comme ça, qui tombent comme ça? À Half-Life, avec les, le, la sorte de crabe, là, qui tombe sur la gueule. Pardon! Il posait des questions. En espérant que cet épisode vous aura plu, en vous souhaitant une agréable journée, des bonnes soirées, bisous, c'était Xana sur Fear. Et tchuu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